Shalom peuple de Dieu, shalom. Bah vous êtes branchés connectés. Na programme bolingaka, wa binonde ko Josué Bolowa toyé il susu. Ah te surprendre hier. Avec ça on salam on a capté le professeur JC Kayembe de la Seka Yoville na niveau Johannesburg. Les autres années awa avec Milulu moko ils ont continué toujours na isangisi ba na Nzambe na Etonga Goshen Ministry International. Oui kamba mina yemoko le prophète de la nation, le prophète de la ville. Celui qui fait un bon travail ici na Katia Cita Cape Town, le prophète welcome. Bisikani na benga qui associe sa prophète, mais je crois que c'est là qui dégage. Shalom l'homme de Dieu. Yeah. Shalom. Aki ma abiso micro mais tu habites avant zonga jobour avant zonga bisikani ni toyo ko kangé penza. Je lève. La zoki ma la dina la dina la. C'est le prophète Jean-Claude Kayembe papa boni. Oui, tout ça bien na mon Zambé. Zambé as à sa libisso grâce, la Bible nous dit l'homme n'est pas le seul maître de son souffle pour le pouvoir le retenir. Donc nous sommes le fruit de sa grâce et de son amour. Donc avoir le souffle de vie est zangolo. Prophète, je sais que c'est du jamais vu, c'est pour la première fois. Tout est en bonne émission, tout le canabé émission. Vous avez un peu réservé côté média. Bon bel arabe sont avant attendre les cas qui a c'est cas bande qu'on a besoin de résister bah kota bah fanza tout ça tu y a qu'un micro même pour un ninio changer comboté tout ça maintenant moi mon coup c'est parcours ministériel c'est comment tu commandes l'eau aux anabis sur l'eau mon sénateur bénissons Dieu nous sommes dans une grande famille alors la communauté congolaise est vraiment unie. Alors, puisque nous ne voulons pas la division, on avait bien parlé avec nos frères, je crois tout cela est très bien. Alors, nous sommes là pour servir Dieu. Makamunazambe, il faut faire tout pour premièrement honorer Dieu, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Amen. Alors, nous sommes là en train de suivre l'orientation Zambé. Là, c'est Zambé et Bissibiso. Totozala, on doit respecter Dieu. Puisque quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Alors nous sommes bien par la grâce de Dieu. Toza qu'on continue à œuvrer. Alors, par la grâce de Dieu, c'est en base au soutenir Bissot. Bambongo et l'équipe qui en a bousculé, logique, vision. Nous nous parlons, je parle souvent sur le combat de la destinée. Oui. Je parle souvent dans un combat de la destinée, il y a un parcours. Donc, chaque personne, il faut traverser un parcours. La vie, parcours, et apporte à la maturité, enseignement. Il y a des gens, Baza Kondima, Babenga Bango, David, Joseph, mais ils oublient que Joseph, il avait un parcours. David, il avait un parcours. Esther aussi, elle avait un parcours. Mardoché, il avait un parcours. Donc, Mardoché, avant Koma Oi, à Koma Kiwana, à Zaki Sentinelle, à la cour royale. Alors, la vie, Mbongé, Tonné, ça fait partie à un parcours, il y a un homme de Dieu. Même Jésus-Christ, il ne devait pas être élevé sans pour autant passer par l'humiliation. Alors, passer dans un silte, saut au tangin, Philippiens chapitre 2, le 8e verset, saut au quittant. Au moins, à Bazako, énuméré, avant que Dieu. Avant que Zamba tombe souverainement, la Bible nous dit il devait être humilié, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, insulté, donc, salié, nous sommes en Bible, mais la souka, Dieu l'a souverainement élevé. C'est ça maintenant le problème avec christianité, les lobbies, nous aspirons à l'élévation. Mais pour nous, les Kananzela destinés, on a pour atteindre la destinée, c'est le problème. Tout le monde a mis le rôle en gambo. Et nous emballons tous au démon. Tolinga pena passionnate, tome mekulu su passionnate ba imilie biso. Tolinga passionnate ba teka biso. Tolinga passionnate lo raba parcours ba Joseph comme on imère. Nous ne pouvons pas généraliser tout sur les démons.
Le diable existe, les démons existent, Dieu aussi existe, les œuvres de Dieu aussi existent. Alors nous ne pouvons pas tout généraliser. Je donne exemple à Moukier. La Bible nous dit Dieu avait rendu âme stérile. Dieu, il avait rendu âme stérile. Cela veut dire la stérilité de âme n'était pas liée na tantine songolo ya famille âme. Ou bien la démon songolo, mais la stérilité y a âme, c'était Dieu qui était l'auteur. Dieu voulait imposer à Anne un parcours afin que Samuel aya. Tant que Samuel aya, il était prophète, sacrificateur et juge. Donc, Zambal le kissi Anne n'a pas parcours pour faire éclater sa gloire. Il a dit à ses disciples, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour que mon nom puisse être glorifié. Donc il y a des choses que Dieu permet pour faire éclater sa gloire, mais il y a aussi des fois une mainmise. Tu dois te lever et combattre cela. Il y a des choses que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 13. Apôtre Paul le prêchait, il y avait un homme Bar Jésus. Il est en train de contrer carré que apôtre Paul a prêché l'autorité en Athènes. Andi Benazambete. Là, c'était une opposition démoniaque. Maintenant, apôtre Paul, par l'esprit de discernement, il a prié, il a déclaré. La personne a commis aveugle subitement, immédiatement. Et l'autorité a crié proconcile. Il a crié à la parole de notre Dieu. Donc il y a des choses que les attaques, il y a monde ténèbres, puisque si tu y as Jésus, tu dois rencontrer le diable. La vie, si tu y as Jésus, il faut rencontrer le diable. Dis-nous un peu l'homme de Dieu. Bonneza loko la mission, Nzamba Pesio, encourager le peuple de Dieu, va comprendre le parcours à destinée, il y a des étapes à suivre. On en parlera avant que Bissot aussi, ça Alpha, Omega, va célébration, va journée rencontre au 5 Sabbat, en Zambé, à niveau Johannesburg. Mais il y a beaucoup d'abord, on a vu des vents et marées, et menaces dans l'église. Comment on s'est dit que l'homme, le Dieu, le Seigneur continue à l'utiliser? Est-ce que c'était facile? C'était pas facile. Si je dis que c'était facile, dans un hypocrite. Non, parce que du fait moi, que tu vas en avoir besoin, c'était du jour au lendemain, aller le Sili Nangope, Bambongé, après les dieux. Jésus a pleuré à Gethsemane. Dans la vie, il y a un Gethsemane. Gethsemane, c'est un lieu de plaie. Même il y a aussi un lieu qu'on appelle Dothan. Le frère de Joseph va se réunir. Dans Genèse chapitre 37, le 20e verset. Balobi veno, étions-les pour voir que deviendront ces songes. Mais ce qu'on m'a dit, Koloana, tant que Joseph, il y a plusieurs couleurs. Joseph est en train de pleurer. Là, on l'appelait Dothan. Dans le parcours à vie, il faut se retrouver dans un lieu qu'on appelle Dothan, un lieu de plaire. Joseph est en train de plaire. Jésus, dans Gethsemane, il a plaire. Alors, nous avons traversé des temps très compliqués, mais ce n'était pas facile, c'était très compliqué, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Alors, il y a eu des gens qui nous ont soutenus, de loin et de près, les hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu, de loin et de près, ils ont prié pour nous. C'était un temps dit, mais la grâce de Dieu et le Saint-Esprit nous a réconfortés, puisque ceux qui sont là, il y a un avantage, on en appelle en Zambé. Quand surtout, tu as l'appel de ça. Dieu, tu auras le mandat, la provision. Alors, puisque Dieu ne peut pas commencer une chose, quand Dieu commence quelque chose, il achève. Puisque c'est un fidèle ami. Les hommes déçoivent, l'homme abandonne, l'homme lâche, mais Dieu, c'est un Dieu fidèle. Quand il commence quelque chose, il achève. Et c'est là qu'il y a un vent dire, en grosso modo, c'était un vent dire, mais nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Alors,
Si vous pouvez regarder une sœur, une maman, un frère, un pasteur, un prophète, un ministre de l'Éternel, il se trouve au moment en plein Gethsemane. Hein? Il pense que quand vous vous tenez devant là, vous prêchez, vous êtes abisso, l'emsoua blo, l'emsoua loti, nanoto. Mais il se retrouve maintenant dans 4 Gethsemane. Message nous repère c'est la minute ou peut-être à zotal abisso une maman ma ministre moko boya écoutez là bas c'est quoi ça ma cassie avant le bango au rappeler un point okay. Prêcher Joseph et vivre Joseph ils ont des choses différentes et des fois nous prêchons tu peux prêcher Joseph dans 5 minutes mais vivre Joseph papa, c'est pas facile c'est toute une vie c'est une vie voilà pourquoi tu dois transmettre tu dois l'homme donne toujours ce qu'il a alors Moutounio Sala pour se retrouver dans le moment où il y a Gethsemane tu es un homme de Dieu une servante de Dieu un papa une sœur la première chose lève tes yeux vers les montagnes. David il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Mon secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais mon secours viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Donc la première des choses, quand tu traverses mon maïa Gethsemane, tes yeux à la fixer vers ton consolateur, vers ton chef. Car c'est lui l'auteur, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, Misunayo et Adiboso, ils n'allaient pas y dans Zambé. Puisque la main des hommes, ils ont tellement coûté. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. La première des choses en Rwanda. La deuxième des choses, il faut demander l'aide du Saint-Esprit, le paraclédos, le consolateur. Il a dit, il est avantagé afin que moi je m'en aille, afin que le Saint-Esprit ait son habit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur. Il a dit, Paul a joué à Timothée, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. L'esprit d'amour, l'esprit de sagesse. Donc le Saint-Esprit a coupé qu'au consolé au mieux. Alors, et liste des ébélés. La troisième chose, dans le moment où il y a Gethsemane, il faut tous avoir vision, il y a Bartimée. Il y a Kobo, il y a Koyoka n'importe qui. Puisque Moutounion, Sosa Moutou, il y a Koyoka. Quand je parle sur les alliés de la destinée, je dis souvent dans le parcours, il y a destinée, il y a les amis de la destinée, il y a aussi les ennemis. Les ennemis. Donc David ne pouvait pas écouter n'importe qui. David devait écouter Jonathan. Puisque Jonathan veut dire Dieu a donné. Zambène a fait ça. Alors, dans le moment où tu as traversé la Gethsemane, il faut y aller au Zoyo Canal. Puisque dans la matouille, nécessairement, c'est quota qui n'est pas Marie à Zuizem, après quelques temps, engendré Jésus. Donc, dans la matouille, voilà pourquoi Bartimée, soka yoka qui entourage avec d'autres serviteurs. C'est là que l'homme change. Ouais. Mais Dieu ne change jamais. Il faut y baquer na Gethsemane posé au canal. Faut ça na ba Jonathan. C'est toute une liste, hein? C'est toute une liste. Je reçois le prophète J.C. Kayembe de Jobou, Aseka Yoville, un homme de Dieu bien qui fait la fierté. Il y a Évangile Nakati Awa. L'homme de Dieu, Yamoto, comme on a bisou na souka na yo, na bike kalamito zozonga. Face à ce qui se disent aujourd'hui, la prophétie, le ministère prophétique, prophète Bazabou, il y a tellement les mélanges maintenant, les gens se disent,
Le prophète Nyon Sobara à l'Okuta, Nyon Sobara à l'Okuta, tout ça. Il y a même un peu moins d'incrédulité par rapport à ce qui se passe autrement dans la télévision, tout ça. Vous, en tant que serviteur, et ayant aussi le ministère prophétique, votre réaction là-dessus? C'est faux et archi faux. Na tout un amour, na le bel amour souvent. Ce qui billet moko ya 100 dollars, c'est faux. Est-ce que ma billet Nyon sera faux? Est-ce que au robot ya ko utilisé par 100 dollars? Non, non. Ce qui après émission, au côté de tout le monde a pu sur ça. C'est non, c'est non, c'est que c'est tant autres traversés, nous traversons un temps d'histoire. Nous sommes au moment de la confusion. Il faut pas vrai bazar là où il y a les vrais, il y a aussi les faux. S'il y a les faux prophètes, mais je n'en disconviens pas que bah faux bazali mais en vrai bazali. Alors le ministère prophétique existe, le don de la prophétie existe. On ne peut jamais enlever ce ministère dans la Bible. Comment accepter le ministère pastoral évangélique tout enlever maintenant dans le ministère prophétique? Non, il faut tout dire ma Bible dans sa totalité. C'est par rapport à ça. Maintenant, la question est comment? Le problème est que l'église doit avoir l'esprit de discernement. C'est ce qui manque à l'église. Bon, tout ce qu'on voit n'est pas. L'église doit avoir. On a oublié que oui, c'est vrai, oui, c'est faux. On a oublié que oui, c'est vrai, oui, c'est faux. Tout le monde a oublié dans Mukanda, dans Zambé, dans Actes chapitre 16, les 16 versets. La Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était possédée par un esprit de python. Il y a des gens aujourd'hui au baso prophétiser na esprit à python. Ils sont là pour prophétiser par l'esprit de python. L'homme de Dieu, mais apôtre Paul, cette femme aussi, elle avait prophétisé na apôtre Paul, à l'objet que réellement cet homme de Dieu Azali, un homme de Dieu aux ambassades pour utiliser. Mais tant que amusongisi l'esprit à discernement, activer l'esprit à discernement, comprendre que derrière cet esprit, il n'y a pas l'esprit de Dieu, il y a un autre esprit à Python, l'esprit impie, les œuvres du diable, à Pameliango. La femme était délivrée. Maintenant, ma maître n'a pas comprendre que j'ai un abisso pendant qu'il collia un bon monasima professeur, d'autres termes. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Un homme de Dieu, Oyaza vrai, un homme de Dieu, a tokoye baye nanzela bambouma. Mouto yaza fou, atami bombi, asali hypocrisie, souka souka. La Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tokoye bébé nanzela mbouma. Par contre, au ministère, on peut parler de conseils un peu pratiques là. Est-ce que nous avons utilisé quoi dans les sacs? Au sommet, on a tout épinglé déjà pour ne pas citer les noms dans Katia, dans la télévision. Et puis quand même, il y a une sensibilité. Quoi que homme de Dieu, mais il est assis là, toi, ça bima, toi, il y a la femme, on a un mini, mais lui, ma piton. Oui, je me glorifie pas, c'est la grâce de Dieu. Des fois, Dieu nous parle, mais nous ne voulons pas maintenant détruire la personnalité. Des fois, Dieu peut nous parler par une vision, par une voix audible ou bien par un songe. Ça va détailler mon tout tel. Mais tu peux prier pour lui. Puisque Aza Am, un jour, il peut rencontrer la véritable parole et transformer. Et toi, lui solo, il est la seule. Zamba akuta ina lumière, akazala qui sol les persécuteurs, il devient Paul. Alors, dans la dimension, il y a des choses que même des fois quand tu es nanda kozo landa bamuti ya mususu, tu sens que ma pratique mususu monique oyo c'est en dehors de la Bible. Aucune révélation et koki kozala et parce qu'il y a une vidéo qui circule actuellement là, une maman, la seule personne Azara qui a assimilé na deux prophètes différentes villes quoi que on se base dans Mboka Moko. Donc Azara n'a pas mal au bord, donc mal au bord et tout ça. Donc les aventures, j'ai. Il y a des gens au bas commis
qu'on masque le miracle. Hein? Mais il y a des gens où il y a servir. Le vrai miracle existe. Depuis les bandes jeunesse, la Bible me dit quoi? Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Miracle bandit. Dieu a dit que la lumière soit. Que la lumière fait. Il créa les cieux et la terre. Parce qu'il y a de ceux-là qui nous suivent. En voyant ça, bazo, comment on a doute, c'est un miracle. Jésus a un miracle. La Bible nous dit, nous parlons de ça, on a eu le temps de parler de ça à l'église, Cochette. Le Fils de Dieu a paru sur la terre afin de détruire les œuvres du diable. S'il y a les œuvres du diable, il y a aussi les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est l'ensemble des choses surnaturelles qui dépassent l'entendement humain. Alors, ce qui est maman wana, ce qui est soi-disant maman wana, Isaac et Biloko Bapongisi, ça c'est pour distraire les peuples de Dieu. Mais, banana zambé, ba se décourager en disant que voilà. Dieu n'existe pas. Dieu existe. Le Dieu vrai existe. Moi, je suis le fruit. Il y a un miracle. Moi, je ne pouvais pas être en vie. Vous voyez, les jours que je faisais des tonneaux, n'avait pas été que n'a pas vivre. Dieu a décidé que la mission à Pessingaï n'a continué malgré les plaintes, n'a continué. Le vrai miracle existe. Donc c'est pour apaiser les enfants de Dieu. Bah, parce que après ça, comment le manier? Miracle, on va comment fonder tout ça. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est quoi? C'est un miracle. Qui dépasse la taille du maïmé. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu ne se contredit jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Dieu s'est dit fidèle. Miracles allez. Miracles existe. Il y a fondé ces bélés. Les gens n'ont pas tué bélés, mais comment fonder les miracles? C'est ce qui fait peur même à Bana Nzambi. On a quoi t'en a doute? Miracles existe. Moutaba en question à qui l'église Goshen? Est-ce qu'on a guérison? Son à qui n'a ce qu'à Yuville? Est-ce qu'on a besoin de guérison? On a vu ça. Les dimanches, le prophète Wekom a péci témoignage. Il y a un homme à Sali. À Sali, combien des années, papa? Ce qui 16 ans, il a vu la main de Dieu. Un miracle authentique. Azo Pesango n'a pas témoin Bazawana. Moi j'ai des gens à l'église Wana. Bah yana ba naba nini report. Il y a un docteur, il y a des bossos qui n'ont pas maladie à cancer. Il y a mis balé zamba guéri. Dans l'hôpital, le docteur a confirmé que très à cancer résaté. Que le cancer disparaît après la prière. Donc, le miracle existe encore. Miracle existe encore, papa. Il y a des femmes où il y a des condamnés qui sont mortes. Quand tu viendras à l'église, au moment où tu es, il y a des gens qui sont mortes. Il y a des gens condamné na koko botate. Maintenant, le docteur va calmer na bouti ndegili. Papa, quand nous servons Dieu, ma bille, il y a ma chrétien aujourd'hui, Zaké, nous croyons que Dieu ne peut pas agir. Voilà. Non, c'est ça notre problème. Nous sommes là, nous sommes généralisés, nous sommes. Ce qui, là où même il y a la main de Dieu, le bio, là, où on a c'est la magie, tout ça. Maintenant, les magiciens, basés de l'autre côté. Devant Dieu, Dieu existe, il peut délivrer, Dieu existe, il peut guérir, Dieu existe, il peut transformer. Dieu existe, il peut transformer. Je suis avec le prophète Jean-Claude Kayembe de la Sekayoville. Oh, il a le privilège pour nous, le plaisir de vous avoir. Dans le plateau, nous avons Katia, Cape Town, dans Mada City. Nous avons dit que nous sommes en Zambé. Nous sommes tous les Goshen International Ministry. Nous sommes tous les pasteurs Ngale, welcome. Nous sommes tous les pasteurs dans Mada City. L'homme de Dieu. Impressionnant yo na musalo tiko salama na Goshen awa et accueil ndebo moni ngondengi nini
peuple de Dieu, comment trouver attente na bango, évangélisation sa mandeni, ni misala nzambe sa mandeni. Oui, je suis personnellement très flatté na accueil donc ba yambinga qui ba français, je crois ba lobaka ba yambinga chaleureusement. Donc un accueil très chaleureux. Alors j'ai dit merci à l'homme de Dieu, le prophète Welcome, pour cette marque de considération et de confiance. La chair, on ne donne pas n'importe qui. Surtout. La chair est un fruit à conviction. Même la Bible nous dit tout ce qui n'est pas le fruit de votre conviction, c'est un péché. Ouais. Alors qu'on ne cédait pas chair autant de jours, alors c'est une grâce. Et Dieu nous avait fait grâce. On avait enseigné la parole de Dieu, la prière. Dieu s'est manifesté. Alors il a plumié quand tant beaucoup t'en en a eu. Après ça, mes témoignages. Mais moi, je suis en très yako reconnaître Zambé. Dieu, c'est un Dieu. Il s'est manifesté vraiment puissamment. Que Dieu soit loué. Le coup mon père qui me besoin en beaucoup en disant papa prophète je sais. Relation on a pasteur avec Mukuna ça va. Na ba c'est comme ça. Ça va. Ça n'a pas bien. Ça va. Mais il a changé comme beauté. Kuma Naza na c'est comme pas. Kuma. Vous en avez comme ça. Vous dépendez sous na avec t'es. Non. J'étais qui? Je viens de qui non? Voilà qui me sert. Je viens de qui? Comme na comme na qui? Papa. Moi, dans la vie, je ne peux jamais. Moi, d'abord, la dimension, il y a famille, mes parents, balaki sanga discipline, papa sanga éducation bien. Notre papa va me dire que il faut qu'on respecte hiérarchie, il faut respecter. Je ne suis pas un enfant rebelle. C'est pas pour ça. Voilà, bref, je suis encore chez demain. Changer ma combo, est-ce que je ne sais pas. Non, mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu, c'est un Dieu de principe, papa. Et si Dieu te dit, il y a un principe, non? Alors, je ne dis pas, je n'ai pas cité le nom d'une personne. Je parle de moi. J'aime parler de moi. Je dis que je suis dans la communauté ASEKA. Donc, sans rancune, je n'ai pas un problème avec une personne, ils embauchent. Parce qu'avec mon mouvement, ma résistance, il y a qui, papa prophète, j'ai changé comme l'ongwa na ASEKA. Mais aujourd'hui, tu es toujours dans la Kati ASEKA. Quand il y a un problème, on s'est soutenu. Je les aime beaucoup. Je ne suis pas conflictuel. Moi, je respecte. Non, ça se voit, même dans la communauté, ça se voit. Je respecte tout le monde. Et le Kouana, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Je refuse dans la orgueil. Donc, le prophète Jissé toujours à la Seka, soutenant, respectant, obéissant par principe à la Seka, Ningezale, en tant que communauté. Comme preuve, vous étiez à Kinshasa. Donc, il n'y a pas voici l'homme. Dans mon époque, il n'y a pas voici l'homme. C'est quoi? Vous m'avez invité. Et c'est le problème, t'es? Oui, ça va. Vous voici l'homme. À ça, na. Azana na seka non. Ah ok. Azana seka. Azana seka. Azana seka. Vraiment. On m'a invité. Est-ce que donc au boyate. En plus Azana seka. Est-ce que c'était un problème? C'est pas un problème. Mais au-delà de ça, j'étais parti voir na Komaki na centrale, na participé na réunion. Donc c'est. Ce n'est pas. Mais là, s'il arrivait que au voyage au déplacement, qu'il se place comme son apôtre, et que bah invité, la bande de Kobaza est dans ASEKA, mais bah changer la bande combo. Tu vas aller prêcher là-bas ou bon, au sein de la permission. Kambuya, il y a. Parce que nous cherchons, nous voulons toujours comment bah réconciliation, comment bah unité, amour. Il y a prêcher, ça dans le Kambuya conversion. Ah ok. Votre Paul les a d'abissé comme sous à Kenda qui a prêché le Saint-Esprit bouillant à Théa. Donc le Saint-Esprit est là au-dessus
même il y a un pasteur. Il faut y avoir le Saint-Esprit. Et en plus, dans ma cambo, je donne un exemple. Moutoyo, par exemple, Aza Kofinga, le nom de Jésus-Christ, Aza Antichrist, je donne un exemple. Est-ce que Moutouana, Okozoa Arce, Yako prêché l'église naïe, puisqu'il est Antichrist? Donc, le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit me dit qu'il faut ôter la place, gloire à Dieu, mais au-delà de ça, il faut ajouter Boania. Boania, il faut ça. Pour éviter ma camoussous, il faut Boania, il dit que place où il y a un problème. Alors, on a coqué comme côté, ça n'a problème. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Il faut éviter. Il y a des choses moniques. Je vais créer des problèmes. Garder une bonne relation, mais Boania et Sadi. Ah, ok. Non, que Dieu soit loué. N'est-ce pas, c'est très sage. Hein? Tous les amis de la CECA, Ben Kabongo, Yayongwana Salutation, l'interprète international. Donc, un bon travail, coup de chapeau. Merci pour la fidélité. Non, toujours trop rapproché, trop toujours fidèle à Nzambe. Et puis, Pembe est toujours à Mumbu Nzambe, le prophète JC. L'homme de Dieu, bah, programme église à comment? Est-ce qu'il y a un autre programme avant la fin de l'année? Peut-être Nzambe. Et puis, adresse église, programme Isalara comment? Peut-être quelqu'un pouvait passer. Ok. Collecte ça vacances comme nous approchons vers décembre. Ça se passe comment? Nous prions chaque mardi, entier le vendredi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. De 16h à 19h30. Ok. Et le mercredi, Totozan a prié en abysse, il y a combat spirituel. Il y a combat prière, il y a combat, tu m'as dans 12 juste. Ok. Tu es dans 14 mois. Après, tu m'as dit consultation prophétique. Ok. Et bah, et que dans ti temps prière, tu m'as dit 17h30, tu m'as dit maman quitte. Et dimanche, nous prions après-midi, tu m'as dit quitte, 13h juste, anti 16h30. Ok. Alors, nous sommes en plein service. Nous parlons sur la race, et ça, 3e midi. Alors, chaque vendredi, tous les ans, il y a une veillée, il y a une délivrance. Okay. Alors, de 4h30. Alors, le mois prochain, par la grâce de Dieu, tous les ans, la 4e édition sur la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est la 4e édition. Okay. Tous en abat orateur, le pasteur Daniel a cité Bethel, les docteurs Peter Mouteba. Et puis ce qui est un peu étrange, pas vraiment étrange, ce qui est un peu bien avec vous, Onurosa Moutabatou. Les gens ne savent pas que le professeur JC a une église, une responsabilité, mais s'il y a des invitations, on vous voit là, présent, non seulement pour prêcher, mais vous êtes présent. Comment on dispatche à temps, non? Et pourtant, tu as quand même une responsabilité. Non, le problème est que... Activité Union Cézanne à Ville, on voit les prophètes JC là. Même pour une heure, deux heures. Et puis, si vous venez au Yakapeno, il y a un texte qui va passer dans Moussousou. À Monska, 2 minutes après, la Mémina va diminuer. Et puis, tu ne deviens pas seul. Tu prends toute l'église pour participer. Il y a un concert, il y a une conférence, il y a une croisade. On vous voit là. Donc, ça nous dépasse là. C'est quoi au juste? La vie, c'est pour nous dire que la vie, il ne faut pas être seul. Nous sommes appelés dans la complémentarité. Il y a la complémentarité. N'appelez ça un exemple, mon corps. Ce qui, moi, n'a beau ami, a mis ce côté là, ma yé, mon côté. Ce qui peut m'outre couffé, a commis même la certitude. Il faut battre Moussousou, battre mes maillots. Yeah. En d'autres termes, nous sommes appelés à la complémentarité. C'est pas même les mages, ils ont vu l'étoile en disant que nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Bazoui Bissanan, Hérode,
Donc bango moko na kimage na bango na mayele na bango bakuka ki koko ma place étoile des athées et bon ak intervention ya héros abengi sa réunion batanga na banal balandela la ba prophétie ba confirmer ba mage que c'est le temps le moment que le messie devait naître tant ou pas eu complémentarité on a ba pista bango lié na Bethléem de pas eu implice ba comité place étoile des athées ndi héros kutazu sa bango que ceux qui bo kei pour adorer et pour y aller, mais ça capte moi aussi j'irai là pour l'adorer. Donc la vie, nous sommes appelés à la complémentarité. Même les Bibles ont lié, mais ça biso de vaut mieux que. Donc nous sommes appelés à la complémentarité. Voilà pourquoi quand il y a une invitation, si on a une opportunité, attends, il faut assister, apporter un plus. Puisque j'ai rencontré des problèmes. Quand il y a un accident, je me dis quand même, les gens s'émancent. Je vis les gens en train de prier pour moi. Je vis les gens en train de prier pour moi. Ata, batou, nyon sauté, mais. Mais quand même, majorité. Tu as vu que les gens étaient là. Oui, bien sûr. Nous étions là. Tu avais même interprété. Nous étions là. Voilà pourquoi, si on a un moment difficile, tu as vu que Oyo Sala Kamala Mouaba, tous les autres Lyon. Donc il faut qu'on continue quand ici, et ça, c'est là bien. Prophète JC, c'est vraiment un réel plaisir de partager avec vous tant Oyo ensemble et Nayo. Après Bavanze Maré, disparition à maman, au Tikalina Bana, on s'est dit, mais est-ce que comment il résiste, comment il vit, comment il continue toujours à travailler pour Nanza, mais je crois, Bandeko. Comment papa JC a résisté, pas comme il niveau, et puis à Zotambola, côté à Sangamala, Ce qui est arrivé, Bolanda qui témoignage là, le jour des funérailles, ce n'était pas une chose très facile. Et quand j'ai témoigné, les gens pleuraient. J'ai dit à l'assemblée, celle qui est partie, c'était ma première femme de la vie. Donc Dieu nous avait fait grâce. Il y a qu'au garder Bouzambé. La crainte de Dieu, ce n'est pas un organe des Angoulous. Alors malgré après diplôme, je me suis retrouvé dans Ibikin, dans le monde. Alors autant des années, mais Dieu m'a fait grâce. La première femme, j'avais déclaré à Dieu, moi ça de mon son à Okutanaï, avant moi son à Kobala. Alors, Pédaroye, Badanaye, ce qui m'a commandé ceci, ce n'était pas facile. Et après un bon parcours ensemble, Dieu s'est décidé. Autrement. C'est un moment, il y a émotion. Donc, je dis merci à Dieu et au Saint-Esprit qui m'a beaucoup réconforté de continuer à suivre Dieu. Je vais suivre la parole de Dieu. La Bible est. Aussi longtemps que l'homme et la femme vivent ensemble, ils sont attachés à une alliance. Mais lorsque l'un des partenaires en bas juillet, c'est le choix maintenant. La Bible nous donne une direction. Il y a pour ça le choix. Alors, je dois suivre la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas un problème avec une personne. Ce qui est passé, c'est presque 2 ans. Deuxième année. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. Être une personne que tu aimais, tu étais ensemble avec elle, donc c'est pas facile, papa. C'est pas facile. Il y a d'autres gens qui, mon amour dirait rêve, tu continues à servir Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu. Quand je prêche dans leur église, ils sont en train de pleurer.
ne peux pas imaginer que mais ah mais c'est comme toi au téléphone sous sous que tu te tiens encore le micro c'est la grâce de Dieu. On était donc Dieu m'avait fait un don, un don il a Job a dit Dieu avait donné à réplique que c'est nous, que son nom soit glorifié. C'est juste pour joindre ce que tu as dit, parler de Joseph et puis vivre Joseph, c'est vraiment différent. Et c'est par le micro de pardon, le canal de notre micro, remercions aussi tous les hommes de Dieu, toute la communauté congolaise, Sista qui jusqu'au jour du continue toujours à assister. Vraiment un grand merci. Vous étiez tellement nombreux à l'époque. Est-ce que comme il est solo, mais quand tu es dans le Gethsemane, tu vas pleurer. Vraiment. C'était un témoignage. Un jour, le frère Michel. Michel Makenda. Un jour, on parle avec lui quand il venait en Afrique. Il m'a dit le témoignage là de la main, notre pauvre. Que les jours là Kenda qui n'a orphelinat à Saliba donne à ma veuve à le à prophète et ça vision là il faut continuer à nous continuer vision faut continuer à au Saliata moi et le qu'on a lobby que c'est déjà dans les plans dont nous faisons ça déjà c'était pas facile et de laisser de bonnes traces comme ça et disons merci à Dieu. Alors, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié, c'était à cœur ouvert avec moi, Boloa, et ensemble avec l'homme de Dieu, le pasteur JC, que vous le voyez peut-être de loin dans des télés, dans des Facebook. Aujourd'hui, on a quand même le privilège de travailler de cette émission Congo Dialogue et dans ce site de bonne manière aussi le YouTube Congo Dialogue pour que nous puissions nous entretenir avec lui. Je crois que moi, leur émission préparée, ça l'a bien. Votre mot de la fin, salutations peut-être na baba ebi yo. Je dis merci à Dieu, je dis merci à mon Dieu, mes enfants, à ce qu'on vit, et mes enfants biologiques. Je vis tes œuvres. Alors, Zambé, Azolokoum, dernière parole, j'ai dit que l'église doit être prête, car Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Christ vient bientôt. Donc, demain, on ne sait pas. Demain ne nous appartient pas. Il faut y aller. Présentement, qu'est-ce que tu fais? Vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu es? Ozawapi, Moutiwapi, Ozokedewapi. Moutunyo Samitouna Mitouna. Christ vient bientôt. La mort existe. L'enlèvement aussi existe. Après cette vie, il y aura une autre vie. Voyez, tant que vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, voilà, moi je m'attendais peut-être au bois comme moi, Libanga, prophète Ngale, welcome, hein, à Pesca Message que Jésus revient bien. Mais j'avais déjà dit que tant que vous n'abandonnez qu'au Ninike, j'étais chez l'homme de Dieu. T'es à l'inga qui sera Yemora Yoga, qui n'a pas qu'il y a mis. C'est un papa du bien, un homme de Dieu. Va recevoir là, lui et sa femme, et ses enfants, et l'église. Donc, c'est un homme de Dieu. Il faut reconnaître la grâce. Apprécions-nous vivants. Il faut reconnaître la grâce. Quand tu ne reconnais pas la grâce, c'est très difficile. Pour la femme sénamite, Élisée, il était un seul homme de Dieu. Cette reconnaissance, Wana, est boutique et elle était stérile. Non, si c'est un logo, ce qu'on dit, vous avez profité de vous, vous avez dit que vous avez dit à l'équipe. Nous avons dit que nous avons dit
Pasteur Daniel a le kingaba, pasteur Bela Djobou, n'agana za moi na souka na bango. Mais pasteur Welka, prophète Welka, mazo banga kouta invité, venant yé pour ça le pambo litié, sa zolinga koutou. Mais si go moutonga zolinga, oh moutonga za mouta se. Je suis le moindre de tous. Simplicito. Naza le moindre de tous. Prince Daniel, le moindre, le moindre. Je suis le moindre de tous. D'ailleurs, une petite pierre. J'ai jamais vu. Ah! Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Merci. Je suis très content. Merci. Comme un commentaire à faire, question à poser, vous êtes la bienvenue. Je suis Bolo à Facebook. Vous permettez tout un numéro dans l'écran. Ce n'est pas un problème. Consultation prophétique, conseil, prière. Non problème. Donc on n'a pas besoin. 073-32-16-144. C'est mon numéro personnel. Il n'y a pas un personnel à site internet. Non, le prophète est busy. Ben après 3 heures. Ça, c'est mon numéro. 0027-73-32-16-144. C'était le prophète JC de la CK Yoville. Il est toujours à la CK, un fils de la maison, respectant la hiérarchie de l'évêque Pascal Mukuna de la CK centrale au niveau de Kinshasa. L'homme de Dieu, merci pour votre temps. Dans lobby, numéro Zanosa Bizolo Sambo. Conseil, direction, venant de Dieu. On a des vrais prophètes jusqu'à aujourd'hui. Dieu continue à parler. Ne t'embrie pas. Ne suis pas les miracles, mais écoute d'abord les directives de Dieu. Amen. Quand tu écoutes les directives de Dieu au travers de ces prophètes, nous avons un miracle. Mais you, c'est l'inverse. Vous avez un miracle, vous avez une directivité. Or, la Bible me dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Voilà. Tu comprends, hein? C'est grand, Wana. Homme de Dieu, reconnaissons, c'est la grâce des hommes de Dieu. Tu as besoin d'un prophète dans ton église, pasteur. Évangéliste, tu as besoin que le prophète parle quelque chose pour que ton ministère puisse aller de l'avant. Moi, Babou, Wana, Totikang. Tu comprends, hein? Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci.